Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Clip Shot. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques clips, principalement sur Halo 5 et le petit dernier sur Halo Reach. On regarde ça tout de suite, c'est parti, ne perdons pas de temps. Quoi de mieux qu'un début de partie pour lancer un Clip Shot? Nous sommes avec Ab en sniper sur la map Truth. Alors ceux qui connaissent cette map, qui est un remake d'autres maps qui existaient déjà dans les précédents jeux, savent que les débuts de partie sont toujours très chauds. Et voyez que lui, il snipe, tire, précis. On regarde ça, on regarde les ralentis pour que vous voyez bien toutes ces têtes qu'il met facilement. Moi, je suis le mec en face. Enfin non, là, physiquement, je suis pas le mec en face. Mais si j'étais dans la game, je serais le mec en face. Toujours. C'est ma chance à moi. Continuons avec le sniper et avec Ambitions 13. Ça, c'est un petit amuse-gueule. Le clip se trouve plus loin. On va faire une petite avance rapide pour aller directement au passage qui nous intéresse. Avant ça, un petit fight au Magnum. Vous voyez, il est assez à l'aise pour même regarder son petit score au passage pendant le fight, hein, tant qu'à faire, voilà. Et voilà les clips qui nous intéressent au sniper. Une première tête. Attention! Un tir raté. On va lui accorder hein, voilà, la précipitation, le petit stress de la chose. Je pense que le reste ici fait qu'on le pardonne. Voilà, vous pouvez voir le ralenti, ces belles têtes qui rentrent comme un couteau dans du beurre ou d'autres images qui peuvent vous venir en tête qui sont peut-être plus sales. Allez, pour le prochain clip, on quitte le sniper, on retrouve Epsilon avec une série de chiffres derrière que je ne veux pas chercher à dire parce que je vais m'embrouiller et voilà. Et lui, vous allez voir que on n'est pas obligé d'avoir un sniper pour faire du kill. Le BR, ça marche aussi super bien, même en crâne. Voilà, en crâne où normalement tu te prends un coup, tu meurs. Bah lui non, ça lui fait pas peur, il y va, il bastonne et il en sort avec un joli à la chaîne. On regarde un ralenti de cette action, de cette à la chaîne, qui est quand même assez impressionnant. On a de la chance aujourd'hui puisque nous avons un clip shot divers et varié. Nous nous retrouvons en SWAT sur une version de Halo CE, avec notamment le Magnum de Halo CE. Et voyez comme notre petit ami, Obekrau, envoie les têtes comme si c'était... en fait, il a toujours fait ça dans toute sa vie. C'est son boulot depuis toujours, il a fait des études, il a une licence en tir dans la tête, il a un master en tir dans la tête, il a un doctorat en tir dans la tête. On revoit ça au ralenti, alors c'est facile, vous allez me dire c'est du SWAT, mais il faut quand même avoir le petit feeling hein, pour aller taper quand même, hein, c'est quoi, ouais. Bon, allez, on passe au suivant, on passe au dernier clip et on va se retrouver sur Halo Reach, comme promis. Comme quoi, il y a quand même une cohérence dans ce que je fais, puisque nous nous retrouvons en SWAT, encore une fois, cette fois-ci, donc, comme sur Halo Reach, comme je l'ai dit, il y a 10 secondes. Voilà, je le redis au cas où vous ne compreniez pas. Dans l'équipe rouge, on tape les bleus, voilà, parce que dans le SWAT, il y a aussi du coup de cross, c'est bien de te donner du coup de cross. Et là, ce que notre ami Praxi nous montre, c'est que lui, les tirs dans la tête, il maîtrise aussi. Alors, je suis pas allé lui demander s'il avait le doctorat également, mais ça fait quand même pas mal de monde qui sont très diplômés dans le level de tir dans la tête. Voilà, on se mate le ralenti et on kiffe. Merci à tous d'avoir regardé ce clip shot avec moi. J'espère qu'il vous a plu. On va se retrouver très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Alors, à très bientôt. Salut à tous, et vous connaissez les mots de la fin. Vive Halo !